Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va continuer aujourd'hui la deuxième partie de notre premier tutoriel sur les data tables, le blogging, qui permet en fait d'organiser nos enregistrements sous forme d'un tableau, mais d'une façon dynamique, de récupérer d'une façon dynamique. Donc, on s'est arrêté en fait dans la première partie sur la partie SQL. Donc, la partie SQL. Je vais parler un petit peu là-dessus vite fait. Donc là, on a quatre champs. Donc un champ, on a dit pour identifier, un champ pour le nom, un champ pour le salaire et un champ pour l'âge. Donc là, je vais présenter vite fait le tableau dans la base de données. Donc vous créez une base de données normale. Donc là, je l'appelle test data table et j'ai intégré ce code dans SQL ici. Donc vous mettez, prenez ce code-là, hop, et qui permet en fait par la suite de vous mettez copier-coller ici, et après vous exécutez, et donc ça vous permet de créer une table qui s'appelle employé avec les quatre champs. Et il y a une deuxième requête qui permet en fait de mettre en fait les données dedans. Donc après vous pouvez l'adapter dans vos projets selon vos besoins. Alors, donc là on attaque la partie PHP, la partie la plus importante, qui permet de générer l'ensemble des enregistrements qui va récupérer au niveau de la base de données et qui va l'envoyer à un autre page HTML qui va envoyer les données sous forme de JSON. Donc, la première chose, on va créer notre. Je vais aller un peu vite. On va donner les informations concernant notre base de données pour qu'il puisse en fait le PHP se connecte à notre base de données. Donc la première chose, ben, il y a le nom de la base de données, l'utilisateur, le mot de passe et le nom de serveur. Donc si vous travaillez sur en local, vous mettez localhost. Même si vous êtes dans un serveur web, vous mettez localhost. Par contre, si vous voulez récupérer en fait les données dans un autre serveur, ben là vous mettez le nom de serveur où la base de données est stockée. Donc, une fois on définit en fait ces quatre variables, pour les paramètres de la base de données, ben, on va lui dire, on va connecter en fait, on va se connecter à notre page, à notre base de données par ce variable, cet objet qui s'appelle $connect, connection, qui permet en fait, et là, de connecter à la base de données. Donc, une fois on a ce variable, eh ben, c'est avec ce variable qu'on va exécuter nos requêtes SQL pour qu'il communique avec la base de données. Donc là, on va créer un autre variable qui s'appelle $requiseData et qui permet en fait de récupérer les valeurs envoyées par la requête AJAX, qui soit par poste ou soit par get. Donc $requests, eh ben, ça permet de soit vous récupérer les données sous forme de poste, selon la méthode post ou bien sous la méthode get. Là, on va créer un tableau. Ce tableau, ben, on va lui donner trois clés. Avec les noms, ben, ça correspond à les trois champs qu'on va effectuer la recherche. Le nom, le salaire et l'âge. Donc, si vous avez, par exemple, cinq champs à effectuer, ben là, vous mettez cinq clés par rapport à ce tableau-là. On va voir par la suite comment on peut utiliser ce tableau. Donc après, eh ben, on continue sur la partie PHP. Donc on va créer maintenant, on va créer notre requête. Donc avant de créer notre requête, on va la première chose, on va compter le nombre d'enregistrements qu'on a dans cette table. Donc on va lui dire notre requête select. Et on va lui donner les noms des champs qu'il va récupérer. Dans notre table employée, et on va exécuter notre requête, et après on va lui dire
compter le nombre d'enregistrements qui sont enregistrés dans cette table. Donc, une fois on récupère ça, ben on le stocke dans un variable qui s'appelle $TotalData. Et après, ben en fait, ce variable, on va le stocker dans $TotalFiltered. Alors, la différence entre $TotalData et $TotalFiltered, ben, ça veut dire en fait, c'est $Total, ben, il récupère tous les enregistrements sans filtrage. Et $TotalFiltered, ben, c'est le nombre d'enregistrements qui correspond à un filtrage précis. Par exemple, suivant le nom, ou bien suivant l'âge, ou suivant l'âge, il va récupérer le nombre d'enregistrements. Donc, exemple, là, dollar, donc je reviens, donc quand je rafraîchis, ben là, j'ai 57. Donc, dollar data, ça correspond à 57. Si je fais la lettre, je veux récupérer les enregistrements qui correspondent à, qui commencent par la lettre B, le nom commence par la lettre B, ben, il y a 4 enregistrements. Maintenant, donc je reviens sur. Donc une fois on crée ici, on crée cette requête qui permet de compter le nombre d'enregistrements, et bien maintenant on va attaquer à une deuxième requête qui permet en fait de récupérer, d'abord compter le nombre d'enregistrements suivant un filtrage précis, et de récupérer par la suite ces enregistrements et de le mettre dans un tableau qu'on va l'expliquer par la suite. Donc on continue. Donc là, on va créer notre requête. Select, pareil, employee name, les trois champs. On va citer les trois champs de notre table. Et on va lui dire récupère from employee, dans notre table qui s'appelle employee. Et on va rajouter une condition qui est égale à 1 égale 1. Alors pourquoi en fait on a rajouté cette condition 1 égale 1? Parce que tout simplement, on va voir dans la suite que dans la requête qu'on va créer, on va mettre des conditions, c'est-à-dire les trois champs de recherche. L'âge, le nom et le salaire. Donc le problème, c'est qu'en fait, si je ne mets pas where, imaginons que j'ai deux conditions, ben là, ça va être where et après, ça va être and. Et là, ça va être une erreur. Donc, on ne peut pas mettre en fait dans la requête SQL where et and. Donc, il faut where une condition plus il y a une deuxième condition. Donc, ça va créer une erreur au niveau de la requête. Donc, pour éviter ça, eh ben, il y avait cette astuce de mettre une condition qui va être toujours valable. C'est 1 égale 1. C'est toujours une condition qui donne une valeur true. Et du coup, bah, il va, dans tous les cas, il va passer. S'il y a une condition donc qui va entrer à quand tu as créé une autre requête suivant les paramètres de recherche, s'il n'y a pas, ben alors il va faire juste une requête normale. Donc maintenant, on va expliquer les trois requêtes. Donc les trois requêtes, il y a la première requête qui correspond, et c'est là où ça va intervenir en fait le tableau colonne qu'on a créé dans le début du fichier et qu'on va lui dire ben, colonne 0. Donc, je reviens ici pour vous voir en fait sur quoi je parle. Le colonne 0, eh bien, ça correspond à le nom de l'employé. Et si j'ai colonne 1, eh bien, ça correspond à notre tableau qui est employé salarié. Et par la suite, pareil, le troisième, c'est par rapport à l'âge. Donc, par rapport à la première requête, la première condition plutôt, eh ben, on va lui dire cherche-moi dans la table employée les enregistrements qui correspondent où leur champ name, le nom, commence par la valeur saisie dans le champ. Donc, si je, par exemple, j'utilise la lettre B, eh ben, il va chercher les enregistrements où leur nom commence par la lettre B. Donc, pareil par rapport à la deuxième, like. Donc, on met end, le nom de champ, après like, et on met la valeur qu'on récupère par la requête AJAX. Et on va rajouter ce symbole pour dire en fait que tous les enregistrements qui commencent par
la valeur saisie par l'utilisateur. Pareil, le même principe par rapport au deuxième champ, employé salarié. Et dans la troisième partie, ou la catégorie d'âge, ben là, je récupère la valeur saisie. Sauf que dans la valeur saisie, en fait, donc je reviens ici, dans la partie HTML, et ben, si vous remarquez, là, dans la valeur des champs de select, eh bien, j'ai mis la catégorie, c'est-à-dire du 19-30, 31-66. Donc la valeur qu'il récupère, c'est une valeur qui est sous cette forme-là. Donc, c'est pas du tout pratique par rapport à notre base de données. Donc là, on va extraire en fait ce string, en fait, si tu veux, ce chaîne de caractères, sous forme d'un tableau. Donc la fonction qui permet de faire ça, c'est explode. Donc vous mettez explode -6 et il récupère la valeur qui est envoyée par la requête AJAX. Donc là, la première valeur de tableau de la range array, eh ben, ça sera la première par exemple 19 et après ben, ça sera 30. Et après on va lui dire bah, récupère-moi l'âge qui est compris entre ces deux valeurs là. Donc après, donc là, il va récupérer, donc on exécute notre requête, et après on récupère le nombre d'enregistrements qu'on va utiliser pour envoyer à notre plugin, pour qu'il affiche en fait le nombre d'enregistrements qui sont filtrés. Donc après, ben, il y a ces informations faites concernant le classement de l'ordre suivant, est-ce que vous voulez en fait... donc ça c'est des informations par défaut qui correspondent à la première champ de notre table et donc ça c'est pas voilà pour le moment c'est pas important. Après on va récupérer en fait ces informations, on va le stocker dans un tableau, donc on va mettre while qui permet en fait de parcourir tous ces enregistrements dans le avec évidemment avec la méthode MySQL fetch array en récupérant l'objet de la query. Donc on le stocke en fait dans un tableau. Donc et après à chaque tableau, ben, on le stocke dans de la tête. Donc il y a deux tableaux. Il y a le tableau où on récupère tous les objets et dans chaque élément de ce tableau, ben, on récupère un objet sous forme d'un tableau de la nested data. Alors après donc après, on va lui dire, on va créer un tableau, comme je l'appelle $JSON-data, où il contient notre ensemble des enregistrements, le nombre et le nombre d'enregistrements sans filtrage et avec filtrage. Et après, on va lui dire, echo JSON encode, c'est-à-dire convertir en fait ces données, ce tableau-là, sous forme de JSON, pour l'envoyer par la suite. Alors, donc je reviens sur le résultat de ça, ben, ça me donne en fait ce qu'on voit ici. Donc là, si par exemple je tombe B, ben, total de l'art data, ben, ça sera 57 en total. Il y a 4 de nombre d'enregistrements qui sont filtrés. Donc la structure, maintenant on va passer à la structure de notre projet. Donc là, je vais y aller ici. Alors, juste deux minutes. Alors, nos structures. Donc, là, on va... Donc, il y a deux dossiers. Il y a le CSS, il y a dossier image et là, dossier JS. Où on stocke nos fichiers CSS. Et si vous avez une image pour notre data table et un dossier JS pour qu'il fonctionne, le fichier jQuery et le fichier jQuery data table qu'on a mentionné au début de ce cours. Donc après on a notre fichier PHP. Donc ce que j'ai expliqué sur PowerPoint.
Et après, ben, on a le SQL. Ça, pour permettre de créer votre table, employer et le remplir par la suite. Donc ça, c'est la requête pour remplir. Et là, c'est pour créer la table avec les champs qui sont mentionnés précédemment, c'est-à-dire l'identifiant, le nom de salarié, son salaire et son âge. Et après, ben, on a la page principale, l'index. Donc là, on intègre les fichiers, le script. Alors ça, en fait, on n'a pas besoin pour le moment. Après, ben, je vais modifier celui-là. Donc un petit peu de CSS pour mettre en place les choses. Et voilà, ça c'est notre page HTML qui permet en fait générer notre tableau à partir de la base de données. Donc je vais mettre tous ces fichiers-là. Vous allez trouver dans la description de la vidéo l'ensemble des fichiers nécessaires pour ce projet et pour l'intégrer dans vos applications web ou vos projets web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par message public, soit message privé. On a notre page Facebook où on met tout le temps à jour nos derniers tutoriels. Et donc ça sera, comme j'ai expliqué au début de ce cours, bah, ça sera le premier tutoriel sur le développement web. Donc il y aura pas mal de projets qui vont venir par la suite, des petites fonctionnalités, des plugins, on parle sur des frameworks, des choses qui vont faciliter en fait le travail de développeur et aussi l'utilisation de ton projet ou ton application web auprès de l'utilisateur. Voilà. Donc j'espère que ce cours a été utile et je vous dis à bientôt.